Route 9.2, une étonnante aventure humaine proposée par 7 événements artistiques questionnant l'espace public dans les Hauts-de-Seine et l'œil du Baobab, afin d'écrire une histoire avec les habitants. Si retraités de Bagneux, Châtillon, Clamart, Malakoff, Suresnes, Nanterre et La Défense ont accepté ce pari fou et sont devenus les acteurs d'un film dont la construction s'est faite de festival en festival avec la complicité du public venant à la rescousse de nos 6 protagonistes pour réaliser les séquences intermédiaires. Une écriture spécifique où l'espace public est devenu décor, les habitantes et habitants devenus acteurs et actrices, au service d'un scénario qui est l'histoire commune des Alto-Séquanaises et Alto-Séquanais. Route 9.2. Un projet soutenu par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine avec Action. Le Festival Parade à Nanterre, la Fête des Petits Pois à Clamart, Urban Week La Défense, la Fête des Vendanges de Bagneux, Playmobil à Châtillon et le Festival des Vendanges de Suresnes. Monsieur, je transfère votre appel. Excellente journée. Au revoir. Ouais, je te disais, hier soir à la salle de sport, 80 kilos d'une main. Ouais. Personne n'en revenait. Après la salle, j'aime bien le bowling. Si tu veux, je peux t'emmener ce soir ou c'est demain. Là-bas. Enfin, faut... On va demander au gardien. Je peux vous aider, Denise ? Édouard nous a dit que le taxi est garé sur le toit. Sur le toit ? Même si notre ami Édouard est atteint de la maladie d'Alzheimer, ce qu'il dit est vrai. Alzheimer est un nom qui regroupe des altérations des fonctions liées à la connaissance dite cognitive, notamment la mémoire. Ah, c'est bon, je sais ce que c'est qu'Alzheimer. Et les noms, les accoutrements, c'est pourquoi c'est pour un enterrement de vie de jeune fille? Non, c'est pour Édouard, sinon il oublie nos prénoms. Édouard. Et c'est quoi cette histoire de taxi? C'est un taxi anglais assez particulier, n'est-ce pas? Ah oui, et nous nous sommes promis, avant que l'un de nous disparaisse, de faire un dernier voyage tous ensemble. Et maintenant qu'on sait qu'il est là-haut, on va le prendre. Oui. S'il démarre, parce que les bagnoles anglaises, leur problème, c'est l'électricité. La batterie, elle a toujours été costaud. S'il vous plaît, même pas problématique de s'il vous plaît, attendez. Moi, je comprends rien à ce que vous me racontez. Votre histoire, c'est du n'importe quoi, donc je vous laisse pas monter. Ce qu'on vous raconte vous étonne sûrement, mon garçon. Mais ce n'est pas n'importe quoi. La première fois que j'ai pris ce taxi, c'était un soir pour rentrer chez moi. À cette époque-là, j'habitais du côté du bois de Clamart. Il y avait des grèves partout. Transport bloqué. On s'est cotisé à plusieurs pour prendre ce taxi. Le chauffeur était russe. Je sentais à son accent qu'il n'était pas là depuis très longtemps. Vous êtes sûr que vous connaissez le chemin pour Clamart? Da, pas souci. Moi, fils Igor Vassiliev, tout droit. Ouais. En vrai, t'es sûr de ton coup, là? Parce qu'on dirait même pas qu'il parle français. Tout à l'heure, je sors de la rue, j'ai tapé un flic. Et je fuis, j'arrive dans l'amphi, je vois qui c'est que je vois, c'est un toi. Un Nanterre? Ouais, je te vois, toi, ouais. En train de faire des gestes. Non, mais j'essayais de prendre la parole dans l'amphi. Pas possible. Les mecs, c'est pas possible, ça. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Nous, on est des meneurs, des hommes. Hein? Je suis désolée, en quoi c'est normal? À quel moment, en fait, c'est une normalité? Mais mademoiselle, c'est pour filer droit. Il faut filer droit dans une société. Eh ben, je suis désolée, depuis le temps qu'on file droit et que les choses ne vont pas bien, c'est vraiment le moment de se poser des questions, je crois. À un moment donné, je trouve, quand on remet en cause le système, justement, voyons, déjà la route, là, au lieu de commenter des débats inutiles. Bon, regardez. C'est vrai que... Monsieur, vous êtes sûr où on va? Moi, connaître chemin tout droit, très bon. Eh, mais je reconnais pas le chemin, là. Je sais pas. Voilà, on dit des bêtises, et puis on se perd. C'est
raconte pas des bêtises, on parle des débats de la journée, c'est quand même ce qui nous anime, c'est important ces manifestations. Ouais. Bon, par contre, là, je reconnais pas du tout non plus. Bah, c'est bon, c'est là, on est perdu, on est perdu. Je crois que lui, il connaît pas ce chemin. On peut pas faire demi-tour, s'il vous plaît, là, parce que... Arrêtez, tu reconnais, toi? Oh, quoi? Et ça? Qu'est-ce qui se passe? Non, pas une panne. Bravo, les âmes. C'est très bien. C'est pour après dire que les femmes, elles servent à rien. Regardez, regardez ce qu'il y a. Qu'est-ce que c'est? Tu le vois? J'ai repris connaissance, il n'y avait plus personne. Du sang partout sur le sol, et j'avais ça. Je me suis dit qu'il valait mieux que je me tire de là et que je me fasse soigner. Et comme je savais conduire, j'ai pris le taxi. À cette époque-là, avec les événements de 68, il y avait une certaine confusion. Je l'ai gardé, et depuis, personne ne me l'a demandé. Si, Edouard. Il cherchait un véhicule solide pour effectuer ses recherches sur les migrations en Algérie. Moi, j'avais fui les zones de combat. J'étais blessé à la tête. Ma Jeep avait rendu l'âme dans le désert. J'ai marché jusqu'à épuisement et puis j'ai perdu connaissance. Allez, on se dépêche! Dépêchez-vous! Doucement. Ouais. C'est vous, il est bien? Ouais, c'est vous. Ok, bon, on y va. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va à l'hôpital? On n'a pas le choix. Mais ça suffit pas, il faut agir tout de suite. Mes yeux. Donne-moi des gants. Ah, mais on va pas faire ça là. Si c'est dans une voiture. On n'a pas le choix. T'as vu comment il est blessé? Il saigne. Il a peut-être un hématome. Il faut faire vite. Il est déshydraté. Donne-lui de l'eau aussi. Allez, donne-lui un antalgique. Il doit souffrir. C'est quoi un antalgique? Mais c'est contre la douleur. Un médicament contre la douleur. Il faut que j'enlève ça pour voir comment c'est en dessous. Médicament. Il n'y a pas de médicament. Oh non, et comment il a pu se faire ça? Fonce, on a Je suis déjà, fonce. Accélère. Ah mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Oh je sais pas, mais là c'est grave, fonce, tu m'entends? C'est pas possible, ses yeux, c'est trop grave. J'ai perdu la vue. Mais sans cette salle d'opération improvisée dans le taxi, je serais mort dans cette mer de sable. Que je rentre chez moi. Comme pour les migrants aujourd'hui. Où est mon infirmière? Il faut que je rentre chez moi. Vous, le gars qui ramassait les poubelles, là, vous pouvez l'appeler? D'abord, je ramasse pas les poubelles. Et il va falloir arrêter de me parler sur ce ton. Enfin, jeune homme, vous voyez bien son état. Ça part, ça revient. Faites un effort intellectuel pour le voir tel qu'il était. Un esprit scientifique dans un corps d'aventurier. Et je peux vous assurer que c'était un passionné. Bah, j'ai du mal. Il avait rencontré Ali, en Afrique. Moi, je vais juste financer ses recherches sur les activités illicites d'entreprises françaises. Une nuit, je l'avais accompagné avec ses amis activistes pour visiter le bureau d'entreprise. Il y a quelqu'un derrière? Bah non, il y a personne. Ah, je crois qu'on l'a fait, hein. Je crois qu'on l'a fait. Ouais, extra, c'est bien. C'est bat. Ouais. Fantastique. Génial. Vas-y, je veux aller voir. Vas-y, avance, va voir. Vas-y, file par ici. Attends. Vas-y, monte-nous. Oh, bordel, attends. Oh, c'est incroyable. Ouais. Oh, c'est bon, c'est formidable. Putain, c'est bon. On va les couler. C'est bon. On va les avoir avec ça. Oh, putain, on est à tout dessus, c'est voilà. Bon. On va les tuer, Ah, il y a quelqu'un. Oh, t'as poursuivi. T'as les poursuivi. Vas-y, avance. C'est la sécu. Mais qu'est-ce qu'ils font? Et quand... Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh ouais. Oui, vas-y. Ça y est, ils ont glissé, chouette. Ah oui. C'est bon. Ah oui. Oh. Oh, c'est bon. Oh, celui-là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'ils font, les deux? Encore les aspects. Martine. Oh, mon chevelu. Oh, mais c'est pas possible. Oui. Oh, vous êtes sérieux? Pour les aspects? Waouh, ça a dû être intense, inoubliable. À part pour lui, bien sûr. Vos histoires sont touchantes,
Il va falloir aller raconter ailleurs maintenant. Allez. Vous avez raison, vous avez raison. On va pas vous importuner plus longtemps. Le gars du ménage a confirmé. Je rentre chez moi. Oui, Edouard, on va rentrer chez nous. Je ne peux plus raconter mon histoire. Complètement taré, les vieux. Eh, j'ai bien cru que j'allais devoir faire usage de la force, moi. Balèze, le gars. Bah ouais. C'est ma pause. Je descends avec eux. Mais pourquoi on est parti? Tu voyais bien que c'était imbécile. Enfin, que le monsieur ne voulait pas qu'on monte. Oui, mais moi aussi, j'aurais pu lui raconter mon histoire avec le taxi. Salut, tu avais pris du LSD? Oui, enfin, c'était une expérience scientifique pour la recherche. C'était le début de l'informatique. Tu as raison, LSD, CNRS, tout ça, ce ne sont que des lettres. Le LSD, c'est comme les extas. Oui, mais en bien meilleur. Premier étage, accueil, administration. Pour être précis, LSD signifie diéthylamide de l'acide lysergique. Veuillez sélectionner votre étage. Mais vous savez qu'on monte, là? T'inquiète pas, mignonne. On monte chez moi. Oh putain. Ils se foutent de ma gueule ou quoi, ceux-là? J'avais rencontré André dans une manif et je lui ai emprunté son taxi parce qu'il était spacieux et idéal pour nos expériences. Pour mieux ressentir les effets du logiciel, on prenait un stimulant avant de se balader dans les villes qu'on imaginait. Regardez, de l'eau! Il y a de l'eau partout! Tout est inondé! Comme on est bien! Si nous inventions des toboggans! Nous pourrions évacuer toute la population en toboggan gonflable. Vous avez appuyé sur le truc. Oh là là, quelle idée créative! Bado sur l'eau, la rivière. Coucou, marin! Qu'est-ce que vous avez pris ce matin? Un éléphant qui passe encore. Quelques stimulants. On a besoin de réfléchir à de nouveaux, exactement, de nouvelles façons. L'inspiration. D'élever des digues pour protéger cette ville de l'eau. Ah d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un sous-marin! Un sous-marin! Quel matériau trouver pour évacuer tout ce monde? Laissez-moi sortir d'ici! Laissez-moi sortir! Non, on va remonter! Ne sort pas, qu'on est bien tous ensemble! Il nous faut une évacuation des eaux. Nathalie! Nathalie, il faut s'arrêter, Nathalie! On n'est pas un peu enfermés? Dans ce dédale, on a tous perdu les pédales. On n'arrivait plus à revenir. C'est le taxi qui nous a ramenés. Hein? Elle y aurait plu à Bob, cette histoire. D'ailleurs, le voilà, hein. Par là! Bon, ben, moi, je vous laisse, hein. Bon, je serai vous, je partirai plutôt par là. Et tu veux pas nous accompagner? Et voir le taxi? Oui, viens nous... Merci, mademoiselle. On n'en refuse pas l'aide à une personne atteinte de cécité. Ça vient du latin caecitas. Comme disait Delille, sombre dans la ferme, humain dans la cité. Rez-de-chaussée. Direction montée. 15e étage, balcon, solarium. Rez-de-chaussée.
Ah, vous voulez jouer à ça, les yeux, hein? Votre ascenseur subit un dysfonctionnement. Non. Veuillez patienter. Nous faisons le nécessaire. Coincé dans le bocal. Veuillez patienter. C'est comme quand on travaillait à l'assainissement de la Seine pour qu'un président y trempe ses fesses. Un président voulait se baigner dans la Seine ? Exactement. À l'heure qu'il est, il a dû oublier. Mais moi, j'ai jamais oublié. On avait fait un bon travail dans un bras de Seine au niveau de Suresnes. Et là-dessous, c'était incroyable. On utilisait le taxi pour plonger. Solide, étanche, discret, pas cher. T'es pas très en avance aujourd'hui, Ginette. T'as qu'à faire Malakoff sur Rennes tous les jours dans les embouteillages chez l'enfer. Bon, ben, je vais mettre le pied au plancher pour rattraper le retard, on y va. Bonne idée. Ça va faire 3 jours qu'on n'est pas allé voir les méduses, il faut y aller aujourd'hui. Oui, tu as raison. Qu'est-ce qu'on fait alors? On va dans la partie est, c'est ça? À l'est, oui. Partie est. Il y a du progrès. Ouais, exactement. Partie est? Ok. Nette amélioration. Les poissons sont magnifiques. Ah oui. Ah ouais. C'est magnifique. Ça a bien évolué par ici. Ah oui, arrête. Ouh, il y en a une grosse là. Qu'est-ce qui arrive? Ah, zut! On est en panne. Quoi? Comment ça on est en panne? Ben je sais pas ce qui se passe. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il est... On a une procédure. Oui. Et je contrôle plus la On a la prévu profondeur. Une procédure. Il faut juste appuyer sur ce bouton là. Là? Ah oui. Ça marche pas. Ça marche. Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, on l'a testé la fois passée. Non, mais ça ne fonctionne pas. Ne paniquez pas. On est arrivé à la... L'arrêt. On est profond, on est au niveau des rues. Elle nous sort de l'eau. Mais c'est incroyable. C'est un truc à ressortir. On est dans les rues. On va faire la une des journaux. C'est magnifique. Puis elle nous remonte. Les sons émis par le taxi ont attiré une raie qui nous a repêchés. T'y crois, toi? Non, pas vraiment, non. Votre ascenseur subit un dysfonctionnement. Tiens, Ginette, toi qui es bricoleuse, tu vas nous sortir de là? Veuillez patienter. Aujourd'hui, c'est pas cette face de Mérou qui va nous empêcher de remonter à la surface. Je me souviens, c'est par ici. Si Edouard se souvient, alors... Attendez! Vous voulez jouer à ça? Vous allez voir, vous êtes où, là? Attendez que je vous rattrape! Vous êtes où? Coriace, l'animal! Vous êtes là? On court! Oh non! Ah, vous allez voir! Attendez, vous croyez pas que vous devriez arrêter maintenant? Parce que faudrait pas que Bob devienne violent. Vous êtes où, les yeux? Allez, viens, cocotte. On se tire. Attendez-moi, j'arrive, vous allez voir! Mais ouvrez, bande de tarés! Voilà. Lauréa! Oh! Hey, si tu m'entends, tu leur dis que je suis un nerveux! Je vais tout péter, Lauréa! Oui, petite, va chercher quelque chose pour tenir la porte. Oh. Je vais tout péter, Lauréa! Il est fou, ce type-là! Il va falloir trouver une idée rapidement. J'ai de l'arthrose dans le cou. Et moi, c'est les pieds. Hein. Pourquoi j'ai mis des talons? Ouvre-moi. Lauréa, t'as trouvé quelque chose? Tu vas voir c'est qui le fou, tu vas voir c'est qui le fou quand je vais rentrer. Je vais m'occuper de vous tous là, les œufs.
C'est ça qu'on cherche? Je rentre chez moi. Ah zut, on le perd encore. Non, je suis là encore pour le moment, mais on rentre chez nous.